Achète tes jeux pour jusqu'à 70% moins cher et soutiens ton YouTuber préféré. Tous les liens sont dans la description. Et salut à tous, c'est Amadeus. Alors, on se retrouve donc sur Mass Effect après, ça fait à peu près 3 décennies. Que j'ai pas fait de vidéo. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, bon, même si je ne vous dois rien, parce que bon, après tout voilà, mais en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai pas du tout joué, tout simplement j'ai pas du tout joué, j'ai aucune excuse, c'est pas que le jeu a crashé, le jeu marche très bien, c'est pas parce que j'ai eu des problèmes avec mon PC, tout va très bien, c'est juste parce qu'en fait j'ai eu le dernier Zelda, et du coup je me suis vachement concentré là-dessus, j'ai vachement joué à Zelda, j'ai un petit peu laissé de côté Mass Effect pendant un petit moment, tout simplement parce que j'avais pas très envie d'y jouer, et puis j'ai pas envie de me forcer à y jouer si c'est pour que ça produise du contenu moyen. J'essaye d'être en fait au plus haut de mes capacités pour vous faire de belles vidéos. En tout cas voilà, donc on se retrouve, on était sur l'astéroïde sur lequel on était atterri. En fait il y a des espèces de petits camps de pirates un peu chelous, et donc voilà, en gros le déménagement ne s'est toujours pas fait, le déménagement dont je vous avais parlé dans les autres vidéos. Ça ne s'est toujours pas fait, mais ça va bientôt se faire, ça se fera vers juin. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 30 mai, je pense que la vidéo sortira demain, là, cet épisode ici. Je sais pas combien d'épisodes je record, ça va dépendre du temps que j'ai devant moi. Et puis, en plus, j'ai pris aussi H1Z1 il n'y a pas longtemps, auquel j'ai pas mal joué. J'ai fait quelques sessions de record, dont une de 2h30, donc je pense qu'il y aura pas mal de contenu à faire. Donc je pense que je vais faire une petite série de vidéos de type Justice End, pas du tout du type Let's Play, mais plutôt du type Justice End, sur ce jeu-là, parce que je pense qu'on a bien rigolé et je pense qu'il y a des trucs super à vous montrer. Voilà, en tout cas, pour ceux qui regardent le Let's Play, merci encore, hein, si vous êtes là pour me suivre, merci de regarder, c'est vraiment cool, moi ça me fait super plaisir, c'est vraiment génial, vous mettez des likes, etc., c'est vraiment cool, j'ai plein de commentaires, j'en ai quelques-uns des commentaires et c'est toujours super à lire, donc n'hésitez pas surtout à balancer les commentaires dans les vidéos, moi je m'en tape, hein, complètement d'être famous parce que je suis Bill Wing, je m'en fous complètement d'être connu, c'est cool si ça arrive et que les gens partagent les conneries qu'on a à dire, et ça c'est génial, mais moi ce qui me fait plaisir surtout c'est d'avoir votre retour sur ce que je fais, si vous trouvez ça marrant, si vous trouvez ça chiant, si voilà, n'hésitez pas, surtout que ce soit constructif, mais dites-le moi, ça j'ai pas peur de la critique, j'ai pas peur, bref voilà, on est reparti, donc j'ai commencé très vite fait, je suis sorti du nomade pour aller dans le machin là, dans le dôme avec les pirates, donc c'est reparti, ils sont déjà en train de me flâner sur la gueule parce que pour faire mon club j'ai dû tirer les mecs qui m'ont repéré, donc je vais devoir me battre, c'est parti. Alors par contre ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc j'ai un petit peu perdu l'habitude des touches. Anarchiste, tiens, Marco syndicaliste, vas-y soft, va. Putain, trop cher. Du coup oui c'est ça, voilà, hop. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a des. J'ai oublié qu'il y avait des espèces de. Ah, j'ai le temps parce que ça fait plaisir. Faire un petit tour. Oui, je vais chez Stéphane. Donc, ouais, oui, donc j'ai complètement perdu l'habitude de jouer, hein, évidemment, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Bien 3 semaines, hein. Je pense que ça fait bien 3 semaines que j'ai pas joué, donc ça va être un petit peu dur de reprendre les bases, de reprendre les habitudes de tir, etc. notamment. C'est mort ça ou ça ? Il a canné le cul, toi là-bas. Il prend son pied, cet enfoiré. Il m'a touché en plus, toi. Ah non, va voler. Vol ! Voilà. Touche, on va mettre la patate de gitan. Tac! Tac! Voilà, vol. Oula, putain, je me fais éclater. Ah, en tout cas, ça fait plaisir de repartir sur un jeu de SF. C'est vraiment sympa. Alors, même si Zelda est énorme, hein, vraiment le dernier Zelda, très très ouf. Hein, j'en ai beaucoup parlé avec Orneus d'ailleurs. J'en ai beaucoup parlé avec Orneus. Hein, on jouait ensemble en fait en même temps sur le jeu pendant qu'on discutait. Et vraiment, on sait. On a vraiment tiré les mêmes conclusions, c'est... Putain, désolé, du coup, du H1Z1. On a tiré vraiment les mêmes conclusions, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu... Enfin, c'est un jeu qui nous surprend beaucoup, notamment au niveau de ces mécaniques de gameplay, en fait. Des mécaniques qui changent pas drastiquement, hein, de ce que fait Zelda d'habitude, mais qui changent quand même et qui permettent d'avoir quelques trucs à apprendre tout au long du jeu qui sont vachement intéressants. Et c'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Alors, je pensais vous faire une série dessus, sauf que je joue complètement sur... une plateforme
que je ne peux pas, sur laquelle je ne peux pas record, on va rester dans l'anonymous. C'est sur une plateforme que je ne peux pas enregistrer, donc malheureusement je pourrais pas le faire. Et alors je pourrais maintenant, parce que j'ai trouvé un moyen de le faire, mais surtout que c'est pas stable en fait. J'attends que la dernière version du dit logiciel sorte pour que je puisse faire des records propres. Puis même, bon là j'ai trop avancé l'histoire pour pouvoir vous faire vraiment un LPP pouce, et puis même j'ai pas envie de m'engager dedans en tant que LP. La raison à ça, c'est parce que. J'ai envie d'en fait d'en profiter pleinement, parce qu'en fait si vous voulez, bon même si j'en profite pleinement hein, de Mass Effect, je m'éclate à y jouer, etc. etc. Même si j'en profite pleinement, je me sens quand même besoin de parler et de faire un record propre. C'est-à-dire que je joue pas tout seul comme ça, genre à l'arrache à Mass Effect, j'attends toujours d'avoir du silence, d'avoir un peu de temps pour en faire le record pour que ce soit vraiment propre pour un maximum pour vous. Parce que bon, même s'il y a du bruit derrière moi, je fais du post-process, hein, c'est-à-dire que je vais chercher les moments où ça a couillé, où j'ai eu du bruit et tout pour les effacer de mon micro, mais bon. Ça prend un temps, mais vous imaginez sur une session de record de 3 heures, faut que j'aille faire 3 heures d'enregistrement, que je regarde où il y a 3 heures, où il y a du bordel, enfin c'est infaisable, ça me prend beaucoup trop de temps quoi. Surtout qu'en plus derrière j'ai les épisodes de Justice N qui vont pas tarder à sortir. Là je vais regarder, j'ai fini de transformer les rushs en fichier MP4, je les ai convertis pour qu'ils puissent aller sur Premiere, je les ai mis en fichier MP4 avec le micro, donc voilà, ça m'a pris... Ça m'a quand même pris 2 heures. Donc voilà, c'est un peu violent. En tout cas, content de retourner sur Mass Effect. Ça a marché. Okay. Ah, il y a d'autres. Putain, encore des pirates. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Vraiment content de retourner sur. Oh, du titane. Putain, c'est nice. Oh, j'en ai pas vu dans l'autre session. Est-ce que c'est... Ah, je suis trompé. Est-ce que ça veut pas dire que j'ai raté Mass Titan alors qu'en fait, il me faut Mass en plus. C'est trop bien, Titan. C'est super rare. Dehors la loi, dehors la loi. Salaud! C'est toi qui as tué Jackie, fumier! Oh putain la vache! Ah! Je fuis! Va niquer toutes tes mères! Prends une singularité, enculé. Ouais. Oh putain, mais il est tellement cher! Sortir le fusil à pépon. Oh mais... Ah saute, skip. Ok, il est assez... Allez, on le défonce. Putain merde, pète la gueule à coup de poing moi, je... Ah. Oh putain, il va me tuer. Bien sûr. Il m'en PLS le truc. Où est-ce qu'il est? Bon, la canne. Ah, c'est bon. Putain, il m'a mis trop cher ce connard. Bon. Pirate. Ah, c'est des berserkers. Tiens, narco-syndicaliste! Marxiste! Culé! Ok, je vais mourir. Ah putain, je suis un bolos. Ah, je suis un bolos, mais c'est terrible. Ah putain, et puis il fait une chaleur ici en Angleterre, c'est un truc de barjo quoi. Alors d'habitude, il fait un. Mais là il fait très très chaud là. Bon, t'es en train de me dire que les mecs ils ont rip-hop. Est-ce qu'il y a derrière moi qui me fait des dégâts? Il y a un enculé là. Pas de malin. C'était pas d'ici, il traîne pas ici mon gars. Okay. Mais qui? Putain, suffit là-haut, couché. Non, il est pas calé. Putain, il est pas mort.
Ah, là c'est mieux là. Là c'est mieux quand t'es canné. Toi tu fais moins chier déjà. Attends, est-ce que j'ai passé le sas? Non, pas encore du coup, enfin je me retape tous les mobs ici. Santé restaurée, un pack. Oui, alors oui, et du coup ça tombe bien parce que je voulais vérifier s'il n'y avait pas du titane dans le coin. Vu qu'il y en avait dans l'autre zone, je me demande s'il n'y a pas rien à voir ici, tu vois. Ah, enfin voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors je pense, j'ai pas mal, je vais en profiter pour vous en parler tant que je fais rien. Mais j'ai pas mal de projets pour la chaîne. Alors notamment surtout du contenu qui va peut-être être produit par d'autres. Parce que bon, on est tous soit au travail, soit en études, soit voilà. Donc c'est un peu, on est tous relativement occupés. Donc c'est aussi pour ça que bon, y a peu de contenu sur la chaîne. Mais faut quand même savoir que au départ c'est une chaîne communautaire. Hein. Faut pas oublier que la Justice Riot, c'est une chaîne communautaire sur laquelle on voulait tous au départ faire du contenu et s'amuser. Donc bon, même si ça reste quand même un truc où on joue tous. Hein, relativement, parce que bon, je fais quand même des épisodes Justice End et tout ça. C'est quand même moi qui fait la plupart du boulot, mais parce que les autres ont juste pas le temps, quoi. Il y en a eu ce qui est overbooké, mais à 400% du temps. Les autres, ils ont des études à faire, donc voilà, ils ont pas forcément le temps, ils ont pas forcément l'énergie aussi après avoir bossé pour faire ça. Donc je peux tout à fait les comprendre. Donc vous aurez peut-être du contenu à l'occasion, mais des autres. Donc je sais pas, dites-nous dans les commentaires, hein, parce que je sais que la plupart d'entre nous lisent les commentaires YouTube, y a pas que moi. Donc du coup, putain, mais c'est pareil ça, oh! Suffit là! La plupart d'entre nous lisons les commentaires YouTube, donc profitez-en, dites-nous, hein, n'hésitez pas surtout à nous dire ce que vous pensez, quelles sont vos idées pour la chaîne, si vous avez des idées de faire des vidéos, quoi, enfin qu'on fasse des vidéos un peu différentes, ou si vous voulez du contenu de quelqu'un d'autre, hein, après tout, n'hésitez pas à le dire, nous on est toujours très contents de recevoir des critiques à droite à gauche, c'est toujours super intéressant. Ouais, si vous voulez pas parler, parlez pas. Je vous force à rien, mec. Arrêtez un petit peu. Prends ta patate de gitan, ça lui fait rien. Le mec, il est invincible, quoi, ça lui fait que pouic. Chier, cassez-vous là. Ah, je comprends rien de ce qui m'arrive, maman, viens m'aider. Regarde-le, le Krex là qui est complètement mais taré, mais. C'était fou, quoi. Mais est-ce qu'on va arriver à le péter, lui? Qu'est-ce que c'est? Putain, merde. Chier. Oh, patate toi, ça va quoi. Un scolar, c'est il en plus. Mais la singularité lui fait que dalle. Bon, il faut que je me revive, faut que je remette mon clé vite fait parce que c'est la PLS. Je peux réanimer Jal d'ici. C'est la réanimation Bluetooth. C'est pépouse. Oh putain, oh la vache, j'ai bien fait le fouiller, lui il a trop d'armes. Impeccable, je prends. Merci. Ah putain, je me gourre. Mieux. Ensuite l'anarchiste. Deux anarcho-syndicalistes, on va les calmer tout de suite. Voilà. Règle le problème de Krex et ses hommes. Mais je me demande. Oh putain, ils étaient chauds. Ah, mais c'était un boss, c'est pour ça. Putain, je suis trop con. Je suis trop con, c'est pour ça que j'arrivais pas à le tuer. Putain, c'était un boss. Après, je me suis dit, putain, c'était facile à tuer l'autre con derrière. Forcément, c'était un PNJ. Un dégueulasse. Un mob pourri. Ah, je ramasse ma titane par contre, putain, c'est la violence, c'est trop bien. Je continue à fouiller comme un bon rapia, puis je vais tout fouiller. Comme un raquette. Jason, tu sais gagner raquette. Je me demande d'ailleurs dans Fallout. Parce que oui, je sais pas si vous avez vu, mais Far Cry 5 a été annoncé. Et je sais pas si. S'il y aura justement un black avec un accent à couper au couteau, bien raciste, dégueulasse. Dans le dernier, parce qu'à chaque fois il y en a eu un dans le 1, dans le 2, dans le 3. Ah, j'ai pas fait le 4 donc. Enfin, j'ai pas fait le 4, j'y ai joué que très brièvement. Je l'ai eu gratuit avec, les excuses d'Ubisoft pour avoir fuck up Assassin's Creed Unity à l'époque. Donc, oh, désolé, galère, jeu gratuit. Du coup, j'ai eu ça. Réponse à votre question, salut gamin.
faire quelque chose. Bon, ça m'intéresse pas trop les emails, je vais pas les lire, je vais surtout avancer dans l'histoire, parce que maintenant j'ai juste envie de savoir en fait quel est le vrai fin mot de l'histoire. Je ne veux pas d'excuses, Krex. La poussière de la surface ne suffit pas. Pour me débarrasser de ces colonies de l'initiative, il va me falloir beaucoup plus d'hélium 3. Le laboureur reliquat du conservatoire fonctionnera, j'en suis sûr. Le laboureur reliquat. Terminé. On dirait un autre film de cul, putain. Mais on dirait qu'ils n'ont pas réussi à activer une sorte de laboureur reliquat. Sam ? Un laboureur reliquat exposerait une plus grande quantité de terre aux radiations et augmenterait la production d'hélium 3 de façon exponentielle. Si mes calculs sont exacts, cette planète pourrait alimenter les vaisseaux du Nexus pendant 368 ans. Oh GG. On serait autosuffisant. Nos réserves de la Voie lactée finiront par s'épuiser un jour. Maintenant, on a un plan B. Il faut qu'on active ce laboureur. Je vous ai indiqué l'emplacement du conservatoire reliquat. Oh, stylé. Si bon. Laura avait extrait assez d'hélium 3 pour bombarder les colonies. Je vous conseille d'éviter les hypothèses, pionnier. J'ai alerté le Nexus de la situation. Des patrouilles vont être postées sur toute la planète pour garantir que l'hélium 3 reste sous votre contrôle. J'aurais quand même deux mots à dire à cette Elora si je la croise un jour. Oui, j'ai complètement oublié de vous dire autre chose. Alors, je vais vous dire quelque chose, les gars. C'est intéressant, surtout pour nous, en fait, tous, hein, parce que ça va vous bénéficier, vous et moi. Enfin, moi et nous, surtout, parce que bon, c'est plutôt moi qui m'occupe de la chaîne, mais voilà. Bref, dans la description de la vidéo, je vous mettrai, et vous aurez peut-être l'intro aussi, c'est possible, peut-être en intro ou en outro. Vous aurez en fait un truc de Instant Gaming. Instant Gaming, c'est quoi? C'est des pélos en fait qui rachètent des clés sur internet au moment où, genre sur Steam, elles sont pas chères du tout. C'est-à-dire qu'en fait, parfois vous avez les Steam Summer Sale et tout qui baissent le prix des jeux, mais de façon mais drastique. Et en fait, ces gens-là les rachètent en gros, en très très gros. Et je pense qu'ils le font ailleurs. Je connais pas exactement le fonctionnement, je sais que c'est légal, c'est tout ce que je sais, sinon je n'en parlerai pas. Mais oh, à chaque fois. Mais en gros, j'ai du mal à imaginer ça. En gros, c'est en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme où on peut acheter des jeux vraiment pas chers du tout. Ça descend à 70% du prix et tout. J'achète la plupart de mes jeux là-dessus, moi. Et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps, par le biais d'un de vous en plus, en fait, on pouvait faire des codes d'affiliés, c'est-à-dire que moi j'ai un lien Justice Hand sur Instant Gaming. Lorsque vous achetez un jeu, à partir de ce lien-là, moi ça me donne en fait, je crois que c'est 3% ou un truc comme ça, c'est 1 ou 3% de la somme, je sais plus, c'est presque rien. Mais si vous achetez plein de jeux là-dessus et que vous êtes plein à acheter des jeux là-dessus, moi ça me donne un peu d'argent et ça me permet aussi d'acheter un nouveau jeu et de vous faire du nouveau contenu. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien dans la description, etc. Je ferai peut-être une intro, genre, parce qu'en fait ils m'ont fourni une bannière, une vidéo et tout ça. À faire, donc je ferai genre Instant Gaming, Gaming for cheap, ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas encore. En tout cas, c'est vachement intéressant. Et là, Den, un nouveau monde, Zobré, contacte Krogan, chasse à l'Archon, parler à Guild dans la machine, localiser le vaisseau amiral, carte. Ah ouais, non, ça on avait laissé un petit peu tomber pendant un petit moment. Est-ce qu'on n'était pas. Attends, on vient de découvrir qu'il y avait un truc à récupérer. C'est quoi? Le laboureur reliquat, voilà, c'est ça. Bon, on va aller faire ça tant qu'on y est. Ok, laboureur reliquat, il est à 2000 mètres. Bon, ça va être fun. Et donc voilà, ça peut être très intéressant que ce soit pour vous ou pour moi, hein, parce que ça va être vraiment mutuel comme truc, vu que bah, ce que vous achetez, déjà vous l'achetez moins cher, donc c'est le bon plan de votre côté, et puis moi, vous nous supportez en tout cas, ça vous permet de nous offrir un peu de support sans payer plus, hein, je veux dire, parce qu'en plus, vous ne payez rien pour nous, c'est-à-dire qu'en fait c'est Instant Gaming qui nous reverse à nous un petit peu d'argent, parce que je ne monétise pas la chaîne, hein, encore une fois, je ne monétise pas du tout la chaîne Justice Hand, et je ne pense pas le faire, parce que je veux être libre de ce que je fais par rapport à YouTube, donc s'il y a, de toute façon je vous en parlerai, je serai toujours honnête, hein, là-dessus, moi ça me dérange pas du tout d'être honnête. Il y a des gens que ça dérange d'être honnête sur l'argent et tout, mais alors moi je n'ai rien à branler, quoi. Je ne gagne rien du tout de YouTube, hein, attention. Rien du tout, mais que pas un copec, hein. Et je ne leur demande rien surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Je leur demande pas d'argent. Parce que c'est mon contenu et parce que j'ai pas envie d'être payé pour ça par YouTube, pour faire mon métier. Si un jour on ouvre un Patreon ou un Tipeee ou quoi que ce soit, alors là, faites-vous plaisir, balancez toute la YouTube monnaie qu'il y a.
Mais pour le moment, il y a que dalle. Donc, il y a un pont. Il faut que j'aille passer le pont. Donc voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein, surtout, allez-y les gars. Allez-y. C'est pas cher. Vraiment, c'est cool. Moi, j'achète mes jeux là-dessus depuis très longtemps. J'avais essayé. Je veux pas dénigrer d'autres trucs. Je suis pas payé par Instant Gaming pour vous faire de la pub. Hein, pas du tout. Là, c'est dans mon propre intérêt. Mais j'avais testé pas mal d'autres sites. J'ai testé G2A. J'avais testé quoi, G2A, j'avais testé Kinguin et un autre truc. Et j'ai été déçu par tous. Le seul qui a vraiment été cool avec moi, c'est Instant Gaming. Et c'est les seuls qui m'ont... Ça dépend de la planète où on se trouve. C'est les seuls qui m'ont... pour les espèces de l'initiative. Qui ont été géniaux au niveau du support, en fait. Parce que moi, je fais un travail de support client. Je suis du web support, moi, dans la vie. Et donc je sais ce que c'est que du bon support... client, donc voilà, et ils ont été vraiment, mais alors de chez tip top avec moi, réponse très rapide et tout, c'est vraiment je leur fais une éloge de fou, mais parce que ça se mérite, tout simplement. On va poser une interface minière ici. Comment on fait, c'est E radiation mortelle, F. Veuillez rester dans le nomade. Attends, comment on fait, où il fait, ah, ça va. R, voilà, ça de silicium. Ok, j'ai vu qu'il y avait du titane aussi dans le coin, faudra que j'aille en ramasser. Et donc voilà, ouais, et Instant Gaming a toujours vraiment été excellent avec moi. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Il y a une fois où j'ai eu une clé qui était pas bonne et j'ai eu une nouvelle clé dans l'heure qui suivait. Quoi. C'était un dimanche et les mecs m'envoyaient un mail en me disant pas de problème, voilà une nouvelle clé, etc., etc. J'ai jamais eu à demander de remboursement ou quoi que ce soit. Et ce qui est super, c'est qu'en plus à votre anniversaire, les mecs vous offrent 50 centimes. Donc c'est 1,50€ ou 50 centimes, je sais plus. Ça vous permet de vous acheter, vous savez, les petits jeux de merde auxquels vous avez pensé il y a des années. Pff, putain la vache. Et c'est cool, très très cool. Encore une fois, j'ai pas vendu mon cul, hein, loin de là. Je fais ça par pure bonté. C'est vraiment ce qu'ils offrent, c'est très bien et je trouve qu'ils doivent être... Et alors, j'hésite pas, alors là, je le dis ouvertement, hein, Steam m'ont tellement mis la bite que... Que ça me fait tellement chier en fait ce qu'ils m'ont fait, ces enculés. Je vous expliquerai peut-être un de ces quatre. Je devrais pas dire enculé, c'est pas bien. Oh là, je parle mal. Je suis mal élevé. Mais je vous expliquerai peut-être un de ces quatre ce qu'ils m'ont fait, Steam. Je me poserai et puis on fera une session vlog ou un truc comme ça. Ah oui, et parlant de vlog, ça me fait penser. J'ai tellement de trucs à vous dire en fait. On s'est pas vu depuis tellement longtemps. J'ai tellement de trucs à vous dire. Il me reste encore 10 minutes de l'épisode donc je vais en profiter. De toute façon, on va se balader un petit peu. Je vais partir au Japon à un moment donné, dans pas longtemps, je pense l'année prochaine, avec Ornus. Alors si la chaîne existe toujours d'ici là, je pense qu'on fera peut-être un petit vlog, s'il y a moyen, un petit vlog en mode voyage, et ça peut être sympa quoi. Donc je pense que je ferai ça à l'occasion, ça pourrait être bien cool. Il y a ça, donc qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Donc ouais, n'oubliez pas le stream aussi, hein, on stream assez souvent. Là ça fait un petit moment, mais parce que c'est un peu compliqué pour stream H1Z1, apparemment c'est la merde pour Gibbon. Mais moi je vais lancer les streams après, vous inquiétez pas, je ferai quelque chose d'assez régulier, genre peut-être tous les samedis ou un truc comme ça. Je veux pas me poser d'obligation. Je veux... Putain, je vais faire... Pourquoi est-ce que... Je veux pas me donner l'obligation, loin de là, mais j'avais déjà lancé une chaîne de streaming et je faisais des trucs un peu tous les samedis sur... C'est sur DZ à l'époque, mais bon, je pense que je ferais plein de trucs partout, genre sur Mass Effect, si un soir je me mets sur Mass Effect seul tout et tout, vous voyez, genre des streams random quoi, des streams un peu pourrin, mais moi, je trouve ça toujours cool, enfin, c'est random. C'est comment déjà qu'on fait pour enlever son arme? C'est H? Ah non, c'est pas ça du tout. C'est comment qu'on fait? Comment il fait pour enlever l'arme? C'est V, voilà. Voilà. Et donc voilà, ça va bientôt se faire. Il faut juste être patient. Il faut juste être patient. Et donc oui, encore une fois, désolé, hein, ça a mis beaucoup de temps à sortir cet épisode. Mais voilà. Je vais essayer de reprendre sur un rythme relativement soutenu. Mais le truc, c'est que d'autre part, bon, à côté, je joue à plein d'autres jeux, quoi. Je joue CS. Comprenez quoi. Qu'est-ce que... Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce pénis là? Pourquoi? Putain, c'est vrai qu'à chaque fois c'est le casse-tête ces conneries là. Mais les voilà, mais... Ah. On dirait qu'il va nous falloir un observateur pour ça. Oh non.
Attends, quoi ? Il va nous falloir un observateur pour ça. Attends, comment ça un observateur ? Console 24. Oh, faut les faire spawn ? Pratique. C'est quand même bien mieux quand ils sont dans notre camp. Oh ! Salut. Du coup, allô ? Qu'est-ce qu'il fait ? Du bruit ? Je comprends pas ce qui. Comment on fait. Gros fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des reliquats, il en faut peut-être plusieurs. Les ennemis. Putain, je... Tu bloques K. Là, normalement, ça en fait pop un gentil, c'est ça? Que je saisis pas. C'est ok, il pop et tout, mais comment faire pas pour l'activer? Putain, comment? Attends, c'est peut-être marqué dans le journal. Non. C'est récupérer les ressources pour l'initiative. Putain, je sais pas du tout. Allô. Mec, j'ai aucune idée de comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le toucher, il faut le casser, il faut le quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là-dessus. Oh putain, vous voyez que ça, vous le sentez que ça va être encore un truc à la con. En fait, je suis pas exactement certain du fonctionnement de ce truc-là. Ah, il y a une autre console reliquate ici. Qui est cassée, on dirait. Là, en fait, si je le réactive, il devient hostile. On est d'accord. Alors, il faut que j'en fasse quoi de ce con, parce qu'il est bien gentil, mais... Celui-là a l'air gentil et... C'est pas du tout la compréhension là. Là c'est au cul de compréhension. Non, un scanner merdier. Attends, c'est trop, faut le scanner, je suis con, j'ai pas pensé. Là. Y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Oui! C'était ça. Allez, c'est parti, on va chercher le laboureur. Assembleur. Discrète.
gravure en plus. Ah pute. Toi, chien de toutes les casses. Ouais, désolé si je parle au moins, hein, du coup, parce que bah, j'ai perdu l'habitude un peu du commentary. Aussi débile que ça puisse paraître. Si t'allais faire un petit tour. Là. On dirait vraiment des Metal Gear. Metal Gear. Tu leur colles tellement la peigne avec le. Casse-toi, toi, arrête de faire le malin. Tu leur colles tellement la peigne avec le. Le fusil à pompe dans la gueule. Console ici. Je pense que quoi qu'il en soit, il va falloir que je l'active. Hein. On dirait qu'il va nous falloir un observateur pour ça. Ah putain, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai. Ah. Bon, je pense qu'il va falloir que j'éclate tous les mecs qui sont là en fait. Et qu'ensuite je fasse spawn un observateur. Ah, il faut que j'aille à l'entrée, que j'aille faire spawner l'observateur, que je revienne ici avec l'observateur et que je lui fasse ouvrir le machin. On va le faire maintenant. Oh merde, la porte s'est fermée derrière moi. Ah! C'est-à-dire qu'allez, il faut que j'active ça, c'est que j'active ça, c'est que j'active ça. Fair enough. Mais ils nous ont pas vu, arrêtez. Ah bah non, ouais, si. Ok, là. Restez sur vos gardes, il y en aura d'autres. Ouais, on fout ça. Ces protocoles sont limités, mais vous pouvez lui confier des tâches simples à l'aide de votre scanner. Oui, mais il est où? Il est parti le bousin, non? Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ça. Oh, ça va où il s'est cassé? Ah non, il est là! Normalement, là, ça devrait être bon. Ah, bon, j'ai un épisode un peu plus long que d'habitude, donc c'est pas grave, vous allez pas vous plaindre. Ça vous fait plus de contenu. Et viens, machin. Alors est-ce qu'il faut que je dise de venir à des endroits tactiques ou est-ce qu'il va juste radiner quand je vais appuyer sur le bouchon? On va essayer, on va voir. De toute façon. Impeccable, ça c'est trop bien ça. Est-ce qu'il va comprendre tout de suite ou est-ce qu'il va falloir que je lui dise?
Il va comprendre. Allez, vas-y, machin. Qu'est-ce qu'il m'a fait, du coup ? L'interface a l'air plus compliquée que les autres. Voyons ça. Oh, putain, plus compliqué que les autres, mais c'est la fin de mon épisode. Ça fait rien. Oh putain. Qu'est-ce que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, ok, voulait juste appuyer sur un bouton. Ok, j'ai appuyé. Est-ce qu'il y a une espèce de timer? Est-ce que ça se désactive? Est-ce que... Oui, certes. Pas ça. Ah mais non, ça ferme, je trouve. On va faire ça. Et là, il y a notre console. Tous les coups, ça va être ça. Active ça, toi. Je pense que ça va activer ces portes-là, du coup. Là ça en offre combien? 4. Et là-bas 3, à tous les coups de là ça va être 3, tu vois. Bingo, c'est ça. Est-ce que du coup il faut faire 1, 2, 3, 4. On va tester, j'ai fait 1, 2 déjà. On va voir. 3. Non, ce serait beaucoup trop simple, putain. Mais pourquoi vous me faites ça? Il doit y avoir un indice quelque part, effectivement, comme il dit, hein, machin. C'est obligé. Coucou. Mais ouais, mais où, mec? C'est pété au pire. On va faire comme ça, ça va être plus simple, je pense. Mais what? Dis donc, on va pouvoir me toucher si. Ok. Il y a forcément un indice, c'est obligé. Le mec il a raison, ils vont pas nous lâcher dans la merde. Là par exemple, on va faire ça, on va voir ce que ça mène où ça. Est-ce que ça va nous mener? Alors du coup, est-ce que ça va nous mener de l'autre côté? Ils attaquent pas du tout. Il est bourré lui, qu'est-ce que tu racontes, putain? Aïe! Hein. Qu'est-ce que... Voilà.
que ce soit fini. Ah, est-ce qu'il veut nous rejoindre notre tête de nœud là? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tout cela va prendre des heures. Putain, ça se trouve, je vois que dalle. Hein. Hey, vous savez en plus, hein, vous me connaissez. Hein. C'est devant mon nez, c'est sûr. Ça va faire spawn un connard. Non. Ça fait spawn Kuprick. Il est où? Ah, il est derrière la porte là. Ok. Bien. Ça c'est le 1, donc c'est ça. Hein. Il y avait le 1, le 2, le 3, le 4. Hein. On était bien d'accord. Maintenant, ce qui me manque, moi, c'est l'indice dont il parlait. Mais il n'y en a pas de reliquat. Qu'est-ce qu'il y a? Il est con, lui, hein, c'est fou. Hein. Où est l'indice dont que mon perso a dit? C'est bien la France, ça. Où est l'indice que... Non. Où est l'indice dont mon personnage a parlé? Putain. Eh, sans déconner, j'en ai aucune idée, quoi. Je suis complètement aveugle. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est, genre, bien caché. Ça, ouais. Putain, les mecs, sans déconner, je suis paumé. Ça fait l'épisode 40 minutes, mec, de la reprise de la folie, quoi. Et ouais, c'est sûr qu'il y a un indice quelque part. C'est sûr qu'il y a un indice quelque part. Putain, mais bon, quoi. Est-ce que c'est moi qui ne le vois vraiment pas? Enfin, je sais pas. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout. Du tout, du tout, mais du tout. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je me doute, mais alors là. Là, c'est le pied dans le cul, quoi. C'est. J'hibite rien. Bon, eh bien écoutez, on va essayer d'avancer directement vers le... Oh putain, mais du coup, attends, est-ce que... Attention, des reliquats, attention, monsieur. Ah, le voilà, machin. Qu'est-ce que... Putain. Ah. Ça me rend barjo. Putain, tu sais, en plus, à tous les coups, c'est une combinaison à chier, genre 4, 1, 3, 2 pour bien se faire chier, aller loin. Non, hein, pas au sol. Putain, ça me pue du couille. Oui. Ouais, quelque chose que je vois pas, mais... Oh non, non, non! Bon bah, je suis... Merde, je fais comment pour remonter, moi? Est-ce que c'est ça, être mort? Ah non, ça va. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, parce que là, c'est un peu le bordel, et puis je vais regarder en attendant. Je vais continuer à chercher, on se retrouvera quand je retrouverai la solution, parce que là, c'est impossible. C'est impossible! Je comprends pas du tout. Donc je vais essayer de regarder ça. Bon. Bon. Merci d'avoir regardé en tout cas. Encore une fois, n'oubliez pas le petit truc Instant Gaming là dans la description qui fait plaisir. Instant Gaming là. Ah, le bonheur. Je mettrai peut-être un truc dans l'outro, je sais pas, on verra. On verra bien comment ça va se passer. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Et puis, n'oubliez pas, hein, surtout, si vous avez aimé, abonnez-vous. N'oubliez pas, c'est toujours super important. Mettez un like, mettez un partage, mettez ce que vous voulez.
C'est cool, je suis toujours aussi nul à chier aux outros. Bref, à la prochaine, des bisous, c'est Amadeus, ciao ciao ciao.